Bénissons ensemble le Seigneur. Dans cette célébration eucharistique, nous prions l'action de grâce avec et pour les bienfaiteurs et les bienfaitrices de la paroisse vivant en Haïti et à l'étranger. Action de grâce pour les religieux et les religieuses qui sont sur la paroisse. Action de grâce pour Sœur Marjorie. Action de grâce pour Anne-Léa Georges, pour Lucie Bernard, pour Chilo Beauprince qui attendent leur guérison du Seigneur. Action de grâce pour chaque fidèle ici rassemblé. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous dans ta bonté tous ceux qui nous arrêtent, afin que sans aucune entrave ni d'esprit ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse, le 6e chapitre, les 11 premiers versets. Écoutez, ô roi, et comprenez. Instruisez-vous, juges de toute la terre. Soyez attentifs, vous qui dominez les foules, qui vous vantez de la multitude de vos peuples. Car la domination vous a été donnée par le Seigneur et le pouvoir par le Très-Haut. Lui qui examinera votre conduite et scrutera vos intentions. En effet, vous êtes les ministres de sa royauté. Si donc vous n'avez pas rendu la justice avec droiture, ni observé la loi, ni vécu selon les intentions de Dieu, il fondra sur vous, terrifiant et rapide. Car un jugement implacable s'exerce sur les grands. Aux petits, par pitié, on pardonne, mais les puissants seront jugés avec puissance. Le maître de l'univers ne reculera devant personne. La grandeur ne lui en impose pas, car les petits comme les grands, c'est lui qui les a faits. Il prend soin de tous pareillement. Les puissants seront soumis à une enquête rigoureuse. C'est donc pour vous, souverains, que je parle, afin que vous appreniez la sagesse et que vous évitiez la chute. Car ceux qui observent saintement les lois saintes seront reconnus saints, et ceux qui s'en instruisent y trouveront leur défense. Recherchez mes paroles, désirez-les, elles feront votre éducation. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons ensemble méditer le psaume 81 et après chaque strophe, nous répéterons. Lève-toi, Dieu, juge la terre. Lève-toi, Dieu, juge la terre. Rendez justice aux faibles, à l'orphelin. Faites droit à l'indigent, au malheureux, libérez le faible et le pauvre, arrachez-les aux mains des impies. Lève-toi, Dieu, juge la terre. Je l'ai dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. Pourtant, vous mourrez comme des hommes, comme les princes, tous. Vous tomberez. Lève-toi,
Dieu juge la terre. Qu'il vous plaise de vous mettre debout pour accueillir et acclamer l'Évangile. Des grâces en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Alléluia. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. À toi, Seigneur. Chapitre 17, verset 11 au verset 19. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent, « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit, « Allez vous montrer au prêtre. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors, Jésus prit la parole en disant, « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est retrouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio Télé Altagrâce, chers internautes, frères et sœurs, bien-aimés, bonjour. Frère Maxime, bonjour. Comment nous y est? Avec Jésus Nabkembe, Saint-Luc nous présente le récit de la guérison de 10 lépreux. Ces derniers étaient considérés comme des exclus de la société juive. Selon la conception juive, quand quelqu'un est atteint de la lèpre, c'est Dieu qui le frappe, qui le châtie. Si nous lisons dans Lévitique chapitre 13, versets 45 et 46, le lépreux est exclu de la société, il doit vivre seul, sans aucun contact avec les autres. Quand il passe quelque part, il doit crier,
impur, impur, afin que les gens ne les approchent pas. On nous essaie d'imaginer, dans les qualités, difficultés, monsieur Sayoteye, qualité déception, yo t'a rencontré dans la société, yo t'a vivre là. Non seulement, mon yo t'a humilié les pro-yo, yo t'a fait, yo même tout, yo humilié pour peut-être pas yo. Chaque côté yo passé, faut y appeler un moué, mais y a passé. Pour l'autre monde qui dans la zone, capable de craser rak. Comme les pro-yo t'a tendé tout miracle, à prodige Jésus t'a fait, eh bien, yo agi la foi yo dans Jésus. Yo mandé Jésus pour les gagner pitié pour yo. Frère yo, sœur yo. Jésus manifesté pour voir li en faveur les pré yo, li guéri yo parce que yo té pouen nan li. Malgré yo tout, yo pas reconnaissant sinon samaritain yan, étranger ya. Pa bola kay nou kon toujours tande yo di étranger mi yo. Parfois, ou kon fè yon bagay pou yon fami, ou kon fè yon bien pou yon fami, li rann nou gratitude. Et pourtant, ou fè même bien ça pou yon étranger a li gen yon reconnaissance. Jésus te subi ça nan l'évangile matin. Nan disle pou sa, yo gen la dan yo se juif yo te ye. Son seul étranger ki te gen yon, son seul samaritain. Si la yo considéré comme païen. Si là il est considéré comme monde qui pas civilisé, eh bien c'est lui-même qui manifestait reconnaissance li envers Jésus. Frère mio, sœur mio, nous devons toujours songer monde qui fait nous bien. Faut qu'on pas jamais oublier premier goutte la pluie qui te fait plante tout pousser. Faut qu'on reconnaissant. La reconnaissance n'est pas une lâcheté comme a dit l'autre, mais la reconnaissance c'est la mémoire du cœur. Monsieur yo guéri, certes, yo t'es purifié, mais yo pas te sauvé. Parce que les étrangers a vint joindre Jésus, vint dit Jésus merci pour purifier de la lèpre. Et bien Jésus dit, la foi au sauvé. La foi au sauvé. Reconnaissance, c'est bon bagay. Plus ou reconnaissant envers bon Dieu, c'est plus bon Dieu a multiplié bienfait yo. Plus vous reconnaissant envers bon Dieu, c'est plus bon Dieu a fait bénédiction, grâce li, tomber sur vous. Plus vous reconnaissant envers monde qui fait bien, c'est plus pour encourager monde ça pour faire plus bien. C'est plus pour encourager le tout pour faire l'autre monde bien. Bien, l'autre reconnaissant envers si là qui fait bien ou décourager pour pas faire l'autre monde bien. On nous toujours montrer nos reconnaissant envers bon Dieu grand maître là. On nous toujours nous montrer nos reconnaissants envers l'autre. Parce que monde qui est ingrat, c'est danger. Là où monde est ingrat, il n'a pas de mémoire. Là où monde est ingrat, il est hypocrite. Là où monde est ingrat, il est mal parlant, il est médisant. On nous demande, bon Dieu, mettre là, aidez-nous. Aidez-nous pour nous toujours manifester reconnaissance envers lui. Aidez-nous pour nous toujours manifester reconnaissance envers Sila qui fait nous bien. Parce que la reconnaissance, c'est la mémoire du cœur. Amen. Thank you.
Frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable, afin que par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux. Par ton Fils en bien-aimé Jésus le Christ, il est ta parole en par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme rédempteur et sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité. En union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts pour qui nous t'offrons cette Eucharistie, les défunts de notre communauté paroissiale, les défunts de nos familles. Souviens-toi des personnes tuées dans l'insécurité en Haïti et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur les personnes qui célèbrent un événement heureux dans leur vie aujourd'hui, nous implorons ta bonté. Sur Agnès Léon, sur Irène Louis, Andy Anderson Tineus, Audrey Anna Cécile Gersin, Augustin Renel, Ben Elliot Emmanuel, Daniel Garçon, Daniel Giordani, Darius Lamont Getson, Davidson Louis, Emmanuel Almont Lachapelle, Farid Alexander Rosier, François Jocelyn, Ginette Claude, Immacula Pierre, Jean-Ewald Jiro, Jean-Philippe James, Kensia Maeva, Liliane Jean-Louis, Lovely Jean-Baptiste, Michel, Mirambeau, Mitsuka, Grayson, Mirambeau. Nous implorons ta bonté sur Normil, Virginia, Fénise, Dossou, Kitty, Gossin, Sergia, François, Slovlina, Kaimitan, Tanista Saoul, Tatiana Mérisier, qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire de naissance. Nous implorons ta bonté sur les personnes qui ont recommandé cette messe, sur les fidèles auditeurs et auditrices de la radio-télé Altagrâce, qui participent à cette célébration eucharistique via les réseaux sociaux YouTube et Facebook. Nous implorons ta bonté sur les bienfaiteurs, sur les bienfaitrices de la paroisse vivant en Haïti et à l'étranger. Nous implorons ta bonté sur les religieux, sur les religieuses qui sont sur la paroi, sur notre sœur Marjorie. Nous implorons ta bonté sur Gussie Bernard, sur Anne-Léa Georges, sur Chilov Beau-Prince qui attendent leur guérison de toi, Seigneur. Nous implorons ta bonté sur chaque fidèle ici rassemblé. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame d'Altagrâce, avec Saint-Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit et selon la volonté du Sauveur, ouvrons nos cœurs et nos mains pour prier en toute confiance. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre cher Haïti bouleversé. Donne la paix à tous les Haïtiens. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, ma paix, je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je peux ne pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Bénissons encore le Seigneur. Fortifié par le don très saint que tu nous fais, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté, que par le don de ton esprit, ceux qui ont reçu la force d'en haut et la grâce de persévérer dans la droiture, par le Christ notre Seigneur. Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous ceux et toutes celles qui célèbrent un nouveau printemps dans leur vie aujourd'hui. Joyeux anniversaire de naissance à Agnès Léon, Eden Louis, Andy Anderson Ténéus, Audrey Anna Cécile Gersin, Augustin Renel, qui est membre de la chorale Sainte-Famille, membre de la grande chorale et membre du cœur d'homme. Joyeux anniversaire à Benson Elliott Emmanuel, mon premier, Daniel Garçon, Daniel Giordani, Darius Lamont Getson, Davidson Louis, Emmanuel Almont La Chapelle, Farid Alexandre Rosier, François Jocelyn, Ginette Glaude, Immacula Pierre, Jean-Hérold Giraud, Jean-Philippe James, Kensia Maeva, Liliane Jean-Louis, Lovely Jean-Baptiste, Michel Mich, Mirambo Mitsuka Grissant. Joyeux anniversaire à Normil Virginia, qui est membre de la chorale Sainte-Famille. Joyeux anniversaire à Finise Dossou, Kitty Gossin, Sergia François, Slovlina Kaimitan, Tanista Saoul, Tatiana Merizier. Si la yo a célébré anniversaire de naissance aujourd'hui, yo anniversaire à tout le monde qui a célébré un événement heureux dans la vie yo et que non yo pas dans l'espanoua. C'est au bon Dieu qu'on met là béni yo. C'est pour lui faire rejoindre ce qui est nécessaire pour la vie koyo et la vie nam yo. Avant de chanter pour yo, pour nous béni yo ensemble, si gen moun nan assemblé a k'ap célébré un événement heureux dans la vie aujourd'hui, nous invitons yo rapprocher yo de l'hôtel là pour nous capable béni yo ensemble. Pendant qu'on a chanté pour vous. Merci à nous toutes et à nous chaque pour participation nous dans la célébration la messe là. On a toujours montré nos reconnaissants envers mon Dieu, nos reconnaissants envers le monde qui fait nous bien. Plus on manifeste reconnaissance envers le monde qui fait bien, c'est plus on encourage l'homme pour faire plus bien, pour faire l'autre monde bientôt. Bonne journée et bon travail à chacun et chacune de vous. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure toujours.
Allez dans la paix du Christ.